Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Guillaume Grenon, je suis agent de liaison et de développement à Réseau Réussite Montréal. Je suis notamment en charge des dossiers de transition post-secondaire. J'ai le plaisir d'être le co-animateur du webinaire aujourd'hui en compagnie de ma collègue Liliane Lopez du regroupement des Cégeps de Montréal. Oui, bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à vous toutes. Nous sommes très nombreux aujourd'hui. Donc, je travaille au RCM, au regroupement des Cégeps de Montréal, comme conseillère au développement. Je m'occupe de tout ce qui est réussite pour nos Cégepiens. Comme je vous ai dit, vous êtes plus de 400 inscrits pour ce webinaire. Et vous venez vraiment de milieux disciplinaires très variés, différents niveaux d'enseignement secondaire, collégial, même universitaire, à travers le Québec. Et c'est une mobilisation inter-ordre remarquable que nous voyons aujourd'hui. Effectivement, Liliane, je pense que ça témoigne de la pertinence d'ouvrir un dialogue, hein, un dialogue régional sur le phénomène de la troisième transition à Montréal. Je pense qu'il convient de rappeler aussi que le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans les travaux du comité Trajectoire, qui est un comité régional qui travaille sur le sujet de la transition post-secondaire, et que ce comité-là, il est copiloté par Réseau Réussite Montréal et le regroupement des Cégeps de Montréal. Tout à fait, Guillaume. Nous avons organisé le 3 novembre dernier un événement qui était sous invitation. Donc, les places étaient limitées par rapport à la transition, la troisième transition, la transition secondaire collégiale. On avait invité les leaders dans l'enseignement secondaire collégial du milieu communautaire aussi. Depuis là, on sent vraiment une mobilisation sur ce sujet. Vraiment très, très, très importante. On a décidé de faire, de reprendre les deux conférences du matin qu'on avait eues le 3 novembre, afin qu'elles soient disponibles au plus grand nombre, à vous aujourd'hui. Vu le nombre qu'on a de personnes inscrites et présentes aujourd'hui, je pense que ça nous permet de dire que c'était une bonne décision. Effectivement, juste avant de commencer, on a quelques éléments à partager. Donc, premièrement, il y aura une période de questions à la toute fin du webinaire. Donc, on vous invite là, à poser vos questions tout au long de l'événement. Dès qu'elles vous viennent à l'esprit, vous pouvez utiliser la section dans le bas là, de votre écran Q&R, donc questions et réponses. Ensuite, le webinaire, il est enregistré et le lien de rediffusion. Il va vous être envoyé par courriel et les présentations de notre expert et de notre experte vous seront aussi envoyées. Finalement, merci à toutes les questions que vous nous avez faites parvenir avant le début du webinaire là, par le formulaire d'inscription. On ne pourra pas répondre à tout aujourd'hui, mais on les a pris en considération dans la mesure du possible, puis on devra en survoler quand même plusieurs. On va donc maintenant laisser la parole à nos experts. Liliane, est-ce que tu voudrais nous présenter là, nos conférenciers aujourd'hui? Oui, tout d'abord, Michaël Gaudreau, enseignant-chercheur en statistique au Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, mieux connu comme ECOB. C'est le CCTT du Cégep de Jonquière. Et Eliane Thouin, membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et agent de liaison et de développement à Réseau Réussite Montréal. On va donc commencer par une première présentation, celle de Michaël Gaudreau, qui nous dévoilera de toutes nouvelles données d'un tableau de bord élaboré pour suivre l'évolution de la transition secondaire collégiale à Montréal. Michaël, on te cède la parole. Merci beaucoup, Guillaume et Liliane. Alors, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais commencer par partager mon écran pour vous montrer ma petite présentation. Donc, écran 2, ça devrait fonctionner.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet, en fait, c'était intitulé « Vers la production d'un tableau de bord régional ». Donc, on a réalisé un projet pilote pour arriver à produire un tableau de bord régional. Je vous présente un petit peu les principaux résultats en lien avec ça. Mais avant de débuter, je commence par un petit exercice brise-glace. C'est de vous demander en quelques mots, quelle image parmi celles que je vous propose représente pour vous la transition secondaire cégep et pourquoi? Donc, ce que je vous demanderais de faire, c'est dans la section discussion, dans la section qui est prévue dans votre panneau de Zoom, indiquer seulement, par exemple, l'image numéro 2, deux points, et indiquer pour quelle raison. Donc, un mot, quelques mots, une description très, très brève pour permettre de commencer à réfléchir un petit peu à la transition. Donc, ce qui vous vient, on prend 2 minutes pour faire ça et ensuite, on commentera un petit peu ces résultats-là. Vous allez dans la section discussion. Vous inscrivez, vous réfléchissez pas trop longtemps. Quelle image, selon vous, représente la transition? Par exemple, 1, 2 points pour tel aspect. Ça me prend une première personne qui se lance. Bon, ça commence à rentrer. Donc, je vois toutes sortes de chiffres. Puis, pas seulement des chiffres, donc si vous voulez mettre un mot, deux mots, tremplin vers la vie adulte, donc la 3, on voit quelqu'un qui s'apprête à plonger, il y a beaucoup du 1, du 2, du 3, du 8, découverte, liberté, oh, charge de travail, la 3, envolée, la 1, donc je vois des choses intéressantes, la 2 qui parle de tempête, incertitude, la 8, donc... Plonger dans le vide, la 2. Processus, étape, montagne. Il y en a qui disent qu'on devient maître de notre embarcation, donc la 2 qui revient. Gestion du temps, des priorités. Capitaine de son propre avenir, relever de nouveaux défis. Super. Donc, Je conserve un petit peu. Ce que je vous dirais, c'est que la transition, en fait, ça se joue à différents niveaux. Puis, on peut voir vraiment plein de choses. Par exemple, moi, dans la 7, ce que je vois, c'est comme si c'était une nouvelle planète vers laquelle on se dirige. Puis, on sème de la connaissance. Donc, c'est comme des arbres avec lesquels il y a des feuilles qui poussent. Donc, la transition peut être vue du point de vue du jeune, peut être vue aussi du point de vue de ceux qui l'entourent. Donc, quand on voit le 4, le 8, des gens qui prennent soin, qui supportent quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi, la transition. Donc, la transition se fait à plusieurs échelles. Merci de vos partages. On aura l'occasion de reparler de transition tout au long de l'atelier. Si je poursuis avec... Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu justement du projet de tableau de bord. Donc, une mise en contexte pour commencer avec les objectifs, les sources de données. Ensuite, on va voir c'est quoi les effets du moment d'inscription sur la transition. Donc, il y en a qui vont faire une transition très hâtive. Il y en a qui vont attendre un peu avant de faire la transition. On va regarder c'est quoi l'effet. Dans un troisième temps, on va aller voir, est-ce que la transition, elle est la même pour tous? Est-ce qu'il y a des sous-populations étudiantes qui ont une transition plus difficile? C'est ce qu'on va discuter en troisième. Et finalement, en conclusion, je vais revenir sur les principaux éléments à retenir de tout ça. On commence par la mise en contexte. Donc, l'objectif du projet, initialement, c'était de produire annuellement un tableau de bord régional à l'échelle de Montréal, d'indicateurs de transition secondaire collégiale afin de suivre et analyser l'évolution de la situation, guider les priorités d'action des comités directeurs et de mobilisation du grand projet. Donc, l'idée, c'est qu'on a un comité qui s'est réuni depuis 4 ans pour réfléchir à comment on soutient mieux les jeunes dans leur transition. Et le tableau de bord dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrit dans cette idée-là de mieux comprendre la transition pour mieux guider les actions.
mesurer les effets des initiatives déployées. Donc, si on fait des choses, est-ce que ça fait bouger l'aiguille dans la bonne direction, en portant une attention particulière à certaines sous-populations plus vulnérables en termes de réussite, en termes de transition. Au départ, on a fait un projet, on a fait une étude de faisabilité. On a tenté de voir si c'était possible de se partager l'ensemble des données pour mesurer l'ensemble de la transition. Donc, ce qu'on a à gauche, c'est qu'on a suivi 11 259 élèves d'une cohorte, celle de 2014. Donc, on a pris une ancienne cohorte et chacun des centres de services et des commissions scolaires nous ont transmis des données sur leur finissant de cinquième secondaire. Donc, au total, 11 000, mais on voit que d'un centre de service ou d'une commission scolaire à l'autre, le nombre est différent. Ensuite, on a regroupé ça avec les demandes d'admission dans les cégeps SFRAM et dans les cégeps, dans le cégep de Dawson, qui a son propre service d'admission, donc son propre processus. Alors, on a obtenu des données aussi sur l'admission, mais on n'avait pas un portrait complet, donc c'est un portrait par rapport à Montréal, mais il y a des choses qu'on n'avait pas. Donc, dans les autres centres d'admission ou privés, c'était des choses qu'on n'était pas en mesure de mesurer avec les partenaires du projet. Et finalement, qu'est-ce qui se passe une fois rendu au cégep? Donc, le SRAM nous a transmis des données qui viennent de son système DEFI, 8000 jeunes qui ont fait un parcours collégial, et la Fédération des cégeps nous a aussi transmis des données sur son sondage, donc le sondage sur la population étudiante des cégeps, le SPEC, donc pour voir aussi d'autres éléments. Et là, l'objectif, le défi derrière ça, c'était de réunir toutes ces bases de données-là en une base de données unique pour voir comment on pouvait mieux suivre la transition secondaire collégiale de nos finissants de Montréal. Donc là, je vais y aller directement vers les résultats. La présentation initiale est un peu plus longue, là on a un petit peu moins de temps, donc je m'en vais directement aux résultats. Premièrement, on a regroupé les étudiants qui font, les élèves qui font une inscription au cégep en 6 groupes distincts. Donc je vais y aller de droite vers la gauche. Je vais commencer avec le groupe 1, c'est ceux qui vont faire leur entrée dès l'automne 2015. Donc c'était nos finissants 2014-2015. Donc, en mars 2015, ils ont fait une demande d'admission. Il y en a 56 % qui sont entrés dans un cégep de Montréal. Il manque des informations. Non, c'est bon. Il y en a 56 % qui ont fait qui se sont inscrits dans un cégep de Montréal dès l'automne 2015. Mais si on élargit, on a 61 % de nos finissants qui se sont inscrits dans un cégep public à la session d'automne 2015, parce qu'il y en a qui sont allés vers d'autres cégeps que Montréal, donc le SRAM, ça couvre plus que l'île, et il y a d'autres centres, d'autres services d'admission, donc ils ont pu aller aussi vers les services d'admission du SRAC ou du SRACEL ailleurs au Québec. Donc, la plupart se sont inscrits à Montréal, mais il y en a quand même qui se sont inscrits à l'extérieur. Si on leur donne un peu plus de temps, donc il y en a qui ne se sont pas inscrits directement, certains parce qu'ils avaient été refusés dans un premier temps, d'autres qui ont décidé d'attendre. On a un 4 % de jeunes supplémentaires qui sont inscrits à l'hiver suivant, donc qui ont attendu une session avant de s'inscrire au cégep, donc 4 % ici. Un autre 4 % qui se sont inscrits à l'automne 2016, donc qui ont attendu une année complète avant de faire une demande et d'avoir une admission à acceptée, qui se sont inscrits dans un cégep à l'automne 2005. Donc ça va être notre groupe 3. Et si on laisse plus de temps, bien c'est seulement 2 %. Donc, le groupe 4, c'est si je laisse 3 ans ou 2-3 ans de plus, parce que notre suivi était quand même long, il n'y a pas beaucoup de jeunes supplémentaires qu'on va aller rechercher en laissant plus de temps. Donc, principalement, c'est groupe 1, 2 et 3 qui sont la grande pointe de tarte. Il y a aussi des jeunes, tantôt on le disait, qui s'inscrivent à l'extérieur de Montréal. Donc, on sait qu'ils se sont inscrits, mais comme ils ne faisaient pas partie du projet pilote, bien, on n'était pas en mesure d'avoir les détails de tout leur parcours scolaire, mais on sait qu'ils se sont inscrits. Donc ça nous donne quand même une certaine vue. Et il y a des jeunes qui ne s'inscrivent pas dans un cégep, donc qui étaient des finissants. Certains ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, d'autres ne l'ont pas obtenu. Donc, c'est 27 % de notre cohorte de 2014 et on va tenter de mieux comprendre un peu qui sont aussi ce groupe 6-là, qui ne se rendent pas jusqu'au cégep.
Dans le cadre du projet pilote, ce qu'on souhaite, c'est développer 5 indicateurs pour suivre différents moments de la transition. Donc, il y a un premier indicateur qui est en amont de la transition, c'est est-ce qu'on a obtenu un diplôme? Donc, parmi tous ceux qui s'étaient inscrits en 2014, qui étaient finissants en 2014, quelle proportion obtiennent leur DES à la fin de l'année, donc en juin 2015? Donc, le premier indicateur, obtention d'un diplôme DES. Les deux indicateurs suivants, là, on est plus dans la période de transition, donc le taux d'admission aux études collégiales. Donc, parmi ceux qui font une demande, quelle proportion est acceptée? Et le 3, c'est parmi tous ceux qui étaient finissants, quelle proportion s'inscrivent au cégep? Puis on a marqué à la formation professionnelle parce qu'éventuellement dans le projet, on voudrait ajouter cet aspect-là, mais pour l'instant, on n'avait pas l'indicateur, mais dans la prochaine version, on va l'ajouter. Les indicateurs 4 et 5, c'est une fois inscrit au cégep de Montréal, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est beau de rendre nos jeunes jusque dans un cégep, mais s'ils échouent très rapidement, s'ils abandonnent très rapidement, on a passé à côté de notre objectif initial. Donc, notre suivi de ces jeunes-là va au-delà de l'admission, va au-delà de l'inscription. Ils s'intéressent à la réussite en première session. On sait que ceux qui réussissent tout leur cours de la première session ont 2,5 fois plus de chances de terminer leur parcours collégial que les autres qui échouent au moins un cours. Donc, la réussite à la première session, elle est très, très importante. C'est bien documenté. Donc, nous, on s'est intéressé à cette réussite-là et aussi à la réinscription au troisième trimestre. Donc, qui sont encore là l'année suivante. Donc, s'ils sont entrés à l'automne 2015, est-ce qu'à l'automne 2016, ils étaient encore au niveau collégial? Ce sont les 5 indicateurs que l'on suit et aujourd'hui, je vais vous présenter des informations sur ces 5 indicateurs-là. Premier indicateur, taux d'obtention d'un DES. Donc là, c'est selon la durée, le moment d'obtention du DES. Donc ce qu'on voit, c'est que selon nos 6 groupes tout à l'heure, c'est certain que dans le groupe qui s'est inscrit dès l'automne 2015, la plupart ont obtenu leur DES en 2015. Il y en a quelques-uns qui l'ont obtenu plus tard. Donc, c'est certain qu'il y a des possibilités de s'inscrire au cégep, même si on n'a pas le DES encore. On appelle ça des admissions conditionnelles. Puis, c'est assez quand même assez marginal comme situation. Donc, il y en a qui peuvent l'avoir plus tard, puis même des fois qui pourraient ne pas l'avoir et être exclus des études collégiales. Donc, il y a certaines situations. C'est pour ça que ça n'arrive pas nécessairement à 100%. Dans les groupes 2, 3 et 4, ce qu'on observe, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas obtenu, donc à peu près la moitié, puis des fois même plus, qui n'ont pas obtenu tout de suite les préalables, qui n'ont pas obtenu tout de suite les conditions qu'il fallait pour aller vers le cégep, ce qui peut expliquer pour plusieurs qu'elles n'aient pas été inscrites dès le départ. Qu'ils aient fait ou non une demande. Le groupe 5, c'est ceux qui sont allés vers l'extérieur de Montréal. Donc, on voit que la proportion de ceux qui ont obtenu un diplôme dès 2005, elle est plus faible un peu parce qu'il y en a qui ont accédé à Montréal plus tardivement aussi. C'est pas tout le monde qui y va dès le départ. Et même dans le groupe 6 qui ne se sont pas inscrits dans un cégep, on voit qu'il y en a quand même 62% qui sont allés chercher un DES en bout de course. Donc là, on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, pourquoi ils ne sont pas allés dans un cégep, est-ce que c'est la nature de notre suivi qui ne permettait pas de suivre ça jusque-là. Globalement, 77% des finissants obtiennent un DES en juin 2015 et 10% l'obtiennent plus tard pour un total de 87,9. Donc là, on l'a décliné selon différents sous-groupes en fonction du moment où ils se sont inscrits ou pas dans un cégep. Mais si on regarde globalement, c'est près de 80% qui vont obtenir leur DES dès juin et il y en a qui vont aller chercher un peu plus tard. Donc, 87% vont avoir obtenu dans nos finissants un DES. Deuxième indicateur, taux d'admission aux études collégiales lors de la première demande d'admission. Donc, si on se demande parmi tous ceux qui font une demande, leur première demande d'admission, bien, le groupe 1 qui est inscrit à l'automne 2015, c'est sûr que la plupart ont été admis dans un cégep SRAB. Il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être pas été admis, mais qui auraient pu être admis ailleurs, qui ont fait le choix d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont quand même inscrits dans un cégep du Québec, mais pas nécessairement dans un cégep SRAM. Donc, le SRAM, c'est le service d'admission de Montréal, mais qui couvre quand même une plus large portion du territoire.
Si on regarde les groupes 2, 3 et 4, en fait, le taux d'admission est à peu près équivalent. Donc, ceux qui n'ont pas fait, qui ne se sont pas inscrits dès la première fois, ben, il y en a plusieurs qui, c'est parce qu'ils avaient été refusés. Donc, la première fois qu'ils ont fait une demande d'admission, dans 40 % des cas, elle n'a pas été acceptée. 60 % des cas, cette demande-là, elle a été acceptée. Donc, il y en a justement qui ont fait une première demande plus tard, puis elle a été acceptée. Il y en a qui n'ont pas fait, qui ont fait une demande dès la première occasion, mais qui n'ont pas été acceptées. Donc, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont entrés plus tardivement, c'est souvent lié à soit un dossier scolaire plus faible qui fait qu'ils ont attendu avant de faire une demande, ou encore une des demandes qui ont été refusées, puis finalement, on a attendu. Et si je vais jusqu'au groupe 6, ceux qui ne se sont pas inscrits, il y en a quand même 40 % dont la demande d'admission a été acceptée. Donc, il y en a dans le groupe 6 qui ont fait des demandes d'admission, et dans ceux-là, il y en a quand même plusieurs qui ont des demandes d'admission qui ont été acceptées, mais qui ne se sont pas inscrits finalement dans un cégep. Et dans les suites du projet, ça fait partie d'un groupe qu'on cible pour mieux comprendre qui sont-ils, ces étudiants-là. Quelques informations complémentaires. 86 % des premières demandes faites en 2015 sont acceptées, 66 % de celles faites après 2015. Donc, si on fait notre première demande d'admission dès la première occasion qu'on a, il y a plus de chances qu'elle soit acceptée. Pas nécessairement parce qu'on est plus strict avec ceux qui n'ont pas fait la demande dès qu'ils le pouvaient, mais souvent, ce qui fait en sorte qu'on retarde notre demande d'admission, c'est qu'on n'a pas les prérequis, on n'a pas les préalables. Bon, ça va avoir un effet de barrière à l'entrée, donc ça va limiter les demandes d'admission qui sont acceptées après 2015. Aussi, le SRAM a fait une analyse en 2020 qui nous dit que parmi les élèves qui sont admissibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en voie de réussir les matières obligatoires pour obtenir leur DES. La plupart, la grande majorité, 98 % va se trouver une place. Donc, dans ceux qui ne se trouvent pas une place, dans ceux qui ne sont pas acceptés d'entrée de jeu, bien, c'est souvent des élèves qui ont un dossier scolaire plus faible, qui n'est pas tout à fait adéquat ou qui ne sont pas en voie de réussite pour l'obtention du diplôme ou de l'obtention de l'ensemble des prérequis pour aller aux études collégiales. Donc, c'est ce qui explique qu'on ait des jeunes qui soient refusés. C'est surtout la force du dossier scolaire. Et une autre information importante à savoir, c'est que le tiers de ceux qui voient leur première demande d'admission dans un cégep refusé n'en font pas d'autres par la suite. Donc, c'est important. Si on a un jeune qui s'est essayé, il n'a pas réussi, bien, il y a une chance sur trois qui arrête son parcours-là, qui n'essaye pas à nouveau. Troisième indicateur, le moment d'inscription. On l'a présenté de façon générale avec les pointes de tarte au départ. Là, je le présente selon franco versus anglo. Donc, les commissions scolaires anglophones versus les centres de services scolaires francophones. Ce qu'on observe, c'est que le groupe 1 est très différent dans les deux cas. Donc, le groupe 1, c'est ceux qui s'inscrivaient dans un cégep de Montréal dès 2015, dans les CS anglophones, beaucoup plus élevés. Donc, c'est beaucoup plus élevé que dans les CSS francophones. Par contre, quand on cumule les groupes 2, 3 et 4, donc ceux qui vont faire une entrée un peu plus tardive, ben, les francophones vont finir par rattraper les anglos. En termes de hors Montréal, c'est équivalent. Puis en termes de non inscrits au cégep, c'est à peu près équivalent aussi. Donc, ce qu'on observe dans cette diapositive-là, c'est que les francophones vont être moins nombreux à rentrer immédiatement. Ça va prendre plus de temps pour finalement atteindre un bassin équivalent à ce qu'on voit du côté anglophone. Quatrième indicateur, donc je vous ai dit qu'il y en avait cinq, je passe au quatrième. Là, on est rendu au cégep. C'était notre indicateur de réussite à la première session qu'on dit qui est déterminante pour la suite du parcours. Et ce que j'ai regardé, seulement dans les cégeps de Montréal, parce que c'était dans nos cégeps participants, qu'est-ce qui se passe avec nos quatre premiers groupes? Puisque le groupe 5 est à l'extérieur de Montréal, le groupe 6 n'est pas inscrit. Donc, c'est seulement les quatre premiers groupes qu'on peut suivre pour cet indicateur-là. On a la proportion de ceux qui ont échoué réussi moins de la moitié de leur cours, donc qui ont échoué la moitié de leur cours, qui est seulement de 10 % pour ceux qui sont entrés directement. Ensuite, la moitié à 99 % des cours, 28 %, donc 60 % réussissent tous leurs cours. Très bonne nouvelle.
on est en bonne voie de réussite. Les groupes 2, 3 et 4 ont des comportements assez semblables. En termes de réussite à la première session, ils sont nombreux à échouer la moitié de leur cours, davantage même pour le groupe 3 et le groupe 4, et sont relativement peu nombreux à réussir tous leurs cours. Donc, il y a des enjeux potentiels de réussite nécessairement pour tous ceux qui ne se seront pas inscrits dès leur première période d'éligibilité. Donc, ça fait partie des éléments à suivre. Finalement, dernier indicateur, taux de réinscription au troisième trimestre. Donc, pour savoir est-ce qu'ils vont être persévérants, ces jeunes-là, c'est certain qu'encore là, le groupe 1 va avoir une persévérance beaucoup plus grande. Et ce qu'on observe, c'est que les groupes 2, 3 et 4, particulièrement le groupe 4, ceux qui ont vraiment tardé à s'inscrire au cégep, souvent on les voit arriver au cégep, ils vont arriver à 18, 19 ans, puis on le voit que ceux qui arrivent au cégep un peu plus tard, dans d'autres enquêtes, la réussite, elle est compromise en partie, mais ça nous le montre aussi, leur taux de réinscription qui est beaucoup, beaucoup plus faible que ceux qui ont pu entrer dès le départ. Ça, c'était d'un point de vue parcours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder certains de ces indicateurs-là, mais par sous-population étudiante. Donc ici, ce que je vous montre, c'est des déclinaisons. Donc on a par exemple les filles et les garçons. Et pour chacune de ces sous-populations-là, si c'est rouge, c'est que le taux est nettement inférieur au taux moyen. Donc le 85,6% pour l'ensemble des élèves, il est à 85,6%. Si c'est en jaune, c'est légèrement inférieur. En vert, c'est nettement supérieur. Et en gris, c'est près de la moyenne. Donc je regarde seulement 3 des 5 indicateurs. Parce qu'il y en a qui se ressemblent. Par exemple, l'indicateur 1 sur le DES, puis l'inscription, l'indicateur 3, vont donner des portraits assez semblables. Ça prend le DES, ou à peu près, pour entrer au cégep. Donc, je vais me concentrer sur l'indicateur 2, 3 et 4. Donc, le taux d'admission. Le taux d'admission, c'est parmi ceux qui font des demandes d'admission. Donc, ça se peut qu'il y ait des sous-groupes qui ne fassent pas de demande d'admission. Et là, on va le voir davantage avec l'inscription, mais parmi ceux qui font des demandes d'admission, ce qu'on voit, c'est quand même, il y a des sous-groupes qui sont désavantagés. Par exemple, les garçons, leurs demandes sont moins souvent acceptées que celles des filles, bon, par discrimination. Souvent, peut-être que leur dossier scolaire permet moins leur admission. Donc, j'y vais sur les différences plus notables. Les étudiants, les élèves qui ont un plan d'intervention au secondaire, leurs demandes d'admission sont plus souvent refusées, donc seulement 73,8% dont les demandes sont acceptées versus ceux qui ne sont sans plan d'intervention. Ceux qui ont un retard scolaire aussi. Donc, s'ils arrivent en cinquième secondaire plus âgés, bien, il y a plus de chances que leurs demandes soient refusées parce qu'ils ont un bagage un peu plus faible. Ils ont des raisons qui font qu'ils ont pris du retard dans leur parcours. Et les élèves EHDAA se démarquent aussi. Nécessairement, ceux dont la MGS, la moyenne générale au secondaire, elle est inférieure à 70%, bien, c'est un des critères d'admission. Donc, on s'attend à ce que ce soit plus faible. Et finalement, les écoles intermédiaires, on voit une petite distinction, tandis que dans les écoles favorisées, donc ceux pour lesquels l'IMSA, donc l'indice de milieu socio-économique, est plus élevé, ça va un petit peu mieux. Donc ça, c'était un premier constat. Deuxième constat, l'inscription. Donc là, c'est parmi tous les finissants, quelle proportion s'inscrit à l'automne 2015 dans un cégep de Montréal et dans un cégep tout court, donc peu importe que ce soit à Montréal ou pas. On a 61,6%, tantôt on l'a vu ce chiffre-là, qui se sont inscrits. Bien, là, ce qu'on voit, c'est que nos garçons et les jeunes des commissions scolaires francophones, on a déjà vu francophones qu'il y avait un enjeu sur l'inscription dès 2015. Mais là, on voit des disparités très, très importantes. Donc, 4 groupes qui se démarquent de façon négative, ceux qui ont un plan d'intervention, ceux qui ont un retard scolaire, les élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, et ceux dont la MGS elle est faible. Donc, ces 4 groupes-là, ils s'inscrivent vraiment, vraiment moins que les autres au cégep. Et aussi, ceux qui proviennent d'un milieu défavorisé. Donc là, vous allez me dire, OK, c'est bon, on va concentrer nos efforts sur ceux qui ont un plan d'intervention, un retard scolaire, etc. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, dépendamment de combien il y a de jeunes dans chaque sous-groupe,
Ben, si je prends ça avec un retard scolaire, c'est comme si partir de 25,2 à 61,6 % à se ramener à la moyenne, ça prendrait 531 jeunes de plus qui accèdent au cégep. Tandis que si je regarde chez les garçons, l'écart n'est pas très grand, mais ça représente quand même la moitié de la population étudiante. Donc, c'est quand même 352 jeunes qui sont impactés par cette sous-représentation-là. Et c'est la même chose, par exemple, pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, ça représente tout de même 446 jeunes. Donc, même si l'écart semble pas très important, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de s'en soucier, parce que globalement, ça touche beaucoup de jeunes. Donc, j'ai fait la même chose avec chacun des groupes. Ceux qui ont un plan d'intervention, ceux qui ont une MGS faible, c'est certain que le nombre considéré est très important. Autre question qu'on peut se poser, c'est de dire, oui, OK, tu as regardé qu'est-ce qui se passait à l'automne 2015, mais qu'est-ce qui se passerait si on leur laissait plus de temps, si on regardait ce qui se passe avec les groupes 2, les groupes 3, les groupes 4, même le groupe 5. Donc, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé la proportion de ceux qui sont inscrits au cégep, que ce soit peu importe à quel endroit. Donc, j'ai regroupé les groupes 1 à 5, ça, c'est la bande de gauche, et ceux qui ne se sont pas inscrits dans un cégep, c'est le groupe 6, c'est le gris pâle. Et ce qu'on observe, c'est exactement le même portrait. Donc, qu'on regarde très rapidement dès l'automne 2015 ou qu'on laisse plus de temps, on va arriver avec les mêmes constats. Nos quatre groupes qui sont sous-représentés vont l'être aussi. Les garçons, les écoles défavorisées, mais les CSS francophones, là, ne se distinguent pas de façon importante parce qu'en leur laissant plus de temps, ils vont rattraper un peu cet écart-là. Donc, c'est le seul endroit où est-ce qu'on n'aurait pas tout à fait le même portrait, mais pour le reste, on a sensiblement le même portrait. Dernière diapo de résultats, ensuite on ira au constat, c'est la réussite de la moitié des cours à la session, à la première session. Donc, je suis allé sur la proportion qui ont réussi plus de la moitié de leurs cours. C'est comme si j'avais regroupé les catégories 2 et 3 tantôt quand on vous parlait du nombre de cours réussis, donc 50 % et plus. Et ce qu'on observe, c'est sensiblement les mêmes résultats. Donc, non seulement certains groupes ont de la difficulté à accéder aux études collégiales, mais une fois rendus, ils ont plus de difficultés à réussir aussi. Donc, ceux qui s'y rendent ont des enjeux de réussite quand même assez importants. Sensiblement les mêmes groupes, on voit que ceux des milieux, les garçons, milieux francophones, vont avoir des enjeux de réussite à la première session. Plan d'intervention un peu moins marqué quand même que, par exemple, ceux qui arrivent avec un retard scolaire, les élèves en situation de handicap qui s'en sortent un peu mieux et la MGS faible. Immigrants de première génération, on ne les avait pas vus apparaître avant et nos milieux défavorisés encore. Donc, il y a des enjeux pour entrer, il y a des enjeux pour réussir, avoir une bonne transition, une transition réussie. Il y a des enjeux aussi. Donc, si je fais, puis ici, c'est d'autres indicateurs qui sont mesurés à partir du cégep. Donc, ceux qui arrivent avec des préalables en mathématiques plus faibles et ceux qui sont admis conditionnellement, ces deux groupes aussi qui sont à risque de difficulté. Donc, admis conditionnellement, ça veut dire tu es admis au cégep même si tu n'as pas toutes tes unités du secondaire. Donc, c'est une mesure qui est présente depuis 2008. Donc, une petite synthèse de tout ça. Sur les trois indicateurs, donc l'admission, l'accès et la transition, on voit qu'il y a certains groupes, par exemple les groupes 2 et 3, pour qui c'est difficile aux trois endroits. Les étudiants donc, qui ont une MGS faible, c'est difficile aux trois endroits. Ceux qui ont un retard scolaire, sur l'admission, ça joue un peu, mais ça joue beaucoup sur l'accès et sur la transition. Même chose sur les plans d'intervention, on voit ça. Le AEHDAA, sur l'admission, ça peut aller. Sur l'accès, c'est difficile. Sur la transition, c'est difficile. Préalable en mathématiques, admission conditionnelle, on n'avait pas l'information préalable, mais on voit que la transition est difficile. Et il y a certains autres groupes pour qui le gap est un peu moins prononcé, donc on voit du orange, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des enjeux de réussite à ce moment-là. Je termine en vous disant, puis c'était le nombre aussi. On avait dit tout à l'heure, des fois, c'est le nombre qui fait en sorte que globalement, c'est plus difficile. Donc, je termine avec deux diapos de train de conclusion. Les principaux constats, premièrement, la moitié des jeunes qui ne fréquentent pas le cégep ont tout de même fait une demande d'admission et plusieurs ont été admis. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne fréquentes pas le cégep que tu n'as pas fait de demande d'admission. Ça ne veut pas dire que tu as même peut-être été admis, mais tu as fait un choix différent.
en tout cas en fonction de ce qu'on était capable de suivre dans le projet actuel. Des inscriptions tardives. Donc, ici, c'était après 2015 parce qu'on avait une plus vieille cohorte, mais il y a vraiment un enjeu de réussite des cours de première session. Ils sont moins persévérants aussi. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on a observés. Certaines sous-populations, donc on en avait quatre qu'on a nommées tout à l'heure, pour qui la transition, elle est plus difficile que pour les autres. Moins de disparité à l'écart de l'admission et davantage à ce qui a trait aux études collégiales et la transition, à l'accès aux études collégiales et la transition réussie. Donc, ceux qui font une demande, il y a quand même des disparités, mais c'était moins prononcé que pour ceux qui s'inscrivent au cégep ou pour ceux qui réussissent en première session. Programme régulier versus les autres programmes, il y avait quand même certains enjeux, mais c'était pas si marqué que ça. Donc ça, des fois, dans ce qu'on a observé, c'était moins marqué que ce qu'on a déjà vu dans d'autres études. Ça sera à creuser. Dans les constats qu'on a aussi, nous, ici, c'est un pilote de tableau de bord. On voulait voir qu'est-ce qui était possible de faire, mais si on refait l'exercice, ben, on peut se permettre de regarder principalement les groupes 1, 2 et 3 parce que le groupe 4 nécessite d'attendre plus longtemps et on a les mêmes constats. Donc, je pense on peut se rabattre sur un suivi plus court pour avoir une idée de la transition rapidement après les premières sessions, mais c'est important de suivre quand même ceux qui font leur demande dès la première occasion et ceux qui attendent plus longtemps avant de faire cette demande-là. Il y a quand même des enjeux importants de réussite. Et les constats que l'on peut tirer après une session sur les populations les plus vulnérables sont les mêmes que si on attend beaucoup plus longtemps. Donc, je pense qu'on peut faire un suivi assez serré de ça. Qu'est-ce que pourrait permettre l'éventuel tableau de bord qui est souhaité? Donc, premièrement, il faudrait le mettre à l'opérationnaliser. Donc, présentement, on est en train de faire des ententes avec les détenteurs de données pour avoir le partage, permettre le partage, mailler les données, faire le traitement. On souhaite suivre les 5 plus récentes cohortes. Donc là, nous, on avait de vieilles cohortes. Là, on veut prendre les 5 plus récentes cohortes pour suivre une transition actuelle. La diffusion, l'analyse de la diffusion est prévue d'ici juin 2023 de ces 5 cohortes-là. Et par la suite, on voudrait faire une mise à jour annuelle de ces données-là. Donc, c'est ce qui est souhaité. Et ce que ça permettrait, bien, entre autres, de suivre l'évolution de la situation. Est-ce que ça améliore et aussi de quelle façon on sort de la pandémie? Donc, c'est quoi les effets post-pandémiques? On pourrait aussi se servir de ces données-là pour mieux préparer les finissants à leur transition, surtout certains groupes ciblés, favoriser l'accès aux études postsecondaires des sous-populations plus vulnérables, améliorer la réussite des populations une fois rendues à l'ordre collégial, réduire les inégalités lors de l'admission, l'accès à la transition, aider à prioriser les actions inter-ordre à mettre en place et vérifier si les mesures mises en place permettent de favoriser l'accès et la transition a posteriori. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michael, pour ta présentation qui a permis de mieux comprendre la trajectoire des jeunes vers le cégep. Donc, nous allons maintenant passer à la prochaine présentation qui sera celle d'Eliane Toin, qui va se pencher en fait sur les caractéristiques d'une transition harmonieuse et sur la situation des jeunes considérés comme un risque ainsi que sur des pratiques inspirantes. Merci Liliane. Donc, moi aussi, je vais partager mon écran. Est-ce que comme ça, vous voyez bien? Ça fonctionne? J'imagine que oui. Je présente Liliane Toy. J'ai terminé dans la dernière année un doctorat en psychoéducation qui portait notamment sur les transitions postsecondaires auprès d'un échantillon de jeunes à risque. Puis, en ce moment, je travaille à Réseau Réussite Montréal, puis j'ai notamment comme mandat d'accompagner des ressources communautaires ou des milieux d'intervention qui implantent ou qui souhaitent implanter des services de transition secondaire et secondaire collégiale. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une perspective plus psychosociale. Michael vous a sorti des chiffres avec un portrait vraiment riche, là, mais moi, je vais aller porter un peu de contexte sur ces chiffres-là. Donc, on va voir c'est quoi les caractéristiques générales de la transition secondaire générale. On va aller s'intéresser aux facteurs de risque, aller un peu les approfondir, aller les contextualiser. Puis, on va aussi voir le portrait, on va faire une incursion auprès des jeunes considérés comme à risque de vivre une transition difficile, puis on va aller voir parmi cette population-là quels sont les potentiels facteurs de résilience, qu'est-ce qui peut les aider dans leur transition. Puis, on va terminer avec des pratiques inspirantes, comme Liliane le mentionnait.
Alors, pour commencer, j'imagine que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui sont familières avec la transition primaire-secondaire, qui est celle qui a été le plus étudiée et celle pour laquelle en ce moment il y a le plus d'initiatives. Fait que c'est un bon départ pour parler de transition secondaire collégiale. Il y a plein d'aspects similaires, mais il y en a aussi, mais aussi quelques caractéristiques distinctives qu'il faut prendre en compte quand on va intervenir sur cette transition-là. À commencer par le fait que la transition secondaire collégiale, c'est une transition qui n'est pas obligatoire. Pour la première fois dans leur vie, les jeunes ont la décision, ont la possibilité d'interrompre leur scolarité s'ils veulent. On le sait qu'à partir de 16 ans, ils n'ont plus l'obligation de fréquenter l'école, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils arrêtent d'aller à l'école qu'ils vont pas au cégep. Il y en a d'autres qui vont aller vers la formation professionnelle, d'autres qui vont aller dans le secteur adulte. Puis, on sait qu'il y a aussi un nombre important de jeunes qui vont aller sur le marché du travail. Ça, ça dépend un peu de la vitalité de l'économie, des caractéristiques du marché. Mais comme vous le savez, en ce moment, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre avec plusieurs emplois disponibles sur le marché, des emplois qui offrent des salaires bien au-delà du salaire minimum. Donc, ces caractéristiques-là du marché qui sont très favorables peuvent faire en sorte qu'il y a encore plus de jeunes aujourd'hui qui décident d'aller vers le travailler au lieu d'aller au cégep. Fait que c'est des caractéristiques à savoir, c'est une réalité. Donc, il faut faire confiance, il faut prendre conscience quand on veut intervenir sur cette transition-là. Une autre caractéristique avec laquelle se distingue cette transition, c'est le fait que là, pour la première fois aussi, les jeunes font face à un large éventail de choix. C'est le cas pour certains au primaire qui voulaient choisir peut-être des vocations particulières ou d'un secteur privé, mais en général, ils sont quand même limités au territoire. Rendus au cégep, ben là, ils ont le choix de plus de 140 programmes, peu importe où au Québec, il y a plus de 100, mais il y a à peu près 70 lieux d'enseignement postsecondaire à travers le Québec. Fait que les parcours se diversifient. Quand on parle d'intervention, ça peut être un peu plus compliqué parce que là, les jeunes ne se ramassent pas tous au même établissement. Puis aussi, il faut en tenir compte parce que pour certains jeunes, tous ces choix-là, ça peut être étourdissant. Puis il y en a qui peuvent vivre l'anxiété vocationnelle ou qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement un peu plus soutenu pour choisir parmi tout ce qui s'offre à eux. Une autre caractéristique de la transition, c'est qu'elle coïncide avec le début de l'âge adulte. C'est assez commun des transitions scolaires, là, qu'on parle de primaire, secondaire, c'est passé de l'enfance à l'adolescence. Là, quand on parle de la transition au cégep, on parle de les premières expériences de la vie adulte. Donc, les jeunes atteignent la majorité, 18 ans. Ils sont de plus en plus responsables de leurs actes. Puis, pour certains, ça va arriver aussi avec une rupture de service. Donc, une fois qu'ils sont plus mineurs, ils n'auront plus accès à certaines mesures ou certains accommodements auxquels ils avaient droit plus jeunes. Fait que ça peut apporter des nouveaux défis. Comme on l'a mentionné, maintenant, ils peuvent aller partout à travers le Québec, au cégep. Fait qu'il y en a qui, ça implique un déménagement. Puis ça, c'est là que c'est vraiment les premières expériences de vie adulte. Ceux qui déménagent, qui vont en appartement, qui doivent gérer un budget, gérer l'épicerie. Fait que c'est des défis additionnels. Puis, un autre élément qui est important de mentionner sur cette période-là de la vie, c'est que c'est une période charnière en matière de santé mentale. Entre 16 et 25 ans, c'est reconnu pour être la période dans laquelle les troubles de santé mentale sont les plus susceptibles d'émerger pour une première fois, mais aussi de se chroniciser ou de s'aggraver s'il n'y a pas d'intervention qui est faite. Donc, c'est vraiment une période où il se passe plein de choses dans la vie des jeunes. Fait qu'au-delà des cadres scolaires, il faut aussi penser à leur développement puis aux défis psychosociaux, familiaux et personnels auxquels ils sont confrontés. Maintenant qu'on parle de durée de la transition, donc ça commence quand, ça finit quand, il y a plusieurs façons de concevoir cette durée-là, mais nous, on se fie à ce qui a été fait par nos collègues du CREPA là, qui ont ciblé comme période plus intensive la transition secondaire collégiale la dernière année du secondaire, puis qui se terminerait rendue à la première session du cégep, à la fin de la première session. Donc, c'est une période d'à peu près 15 mois. Dans les faits, on sait que ça se prépare bien avant secondaire 5. Le choix du cégep commence à émerger souvent en secondaire 3, secondaire 4. On commence à penser au métier qu'on voudrait faire plus tard. Mais la période de transition intensive est vraiment plus à partir de secondaire 5. Puis, de cette durée-là, la période de la transition, on peut la diviser en certaines phases. Fait que bien sûr, avant d'entrer au cégep, on est dans la phase de préparation. Donc, comment préparer les jeunes à se préparer aux changements qui les attendent. Quand ils commencent le cégep, on sait que ça, là, ils passent du rôle d'élève au rôle d'étudiant. Pour certains, ça va demander plusieurs ajustements ou plus de préparation. D'autres, pour qui ça va se faire plus naturellement. Mais c'est ça, la première phase, c'est la préparation. Ensuite, c'est la phase de la rencontre. Cette phase-là est assez courte. On parle de la première semaine que les jeunes sont au cégep.
c'est la phase durant laquelle les jeunes vont aller confronter leurs idées préconçues sur le cégep. Donc, est-ce que ça correspond à leurs attentes? Est-ce que c'est plus difficile, plus stressant qu'ils se pensaient? Est-ce que finalement, c'est bien moins pire que ce qui s'était fait dire? Fait que c'est une petite période d'ajustement. Puis une fois que l'ajustement est fait, là, de, t'sais, l'ajustement cognitif, comprendre c'est quoi les attentes du cégep, avoir une première idée, bien, on rentre dans la phase d'adaptation. Puis c'est sûr que plus la préparation est bien faite, moins la rencontre est choquante, plus la rencontre se passe bien, plus souple et moins, c'est ça, moins, il y a moins un choc de transition, plus l'adaptation va bien se faire. Donc, ça, c'est les trois principaux stades. Puis, vous voyez sur le schéma, l'adaptation finit à la première session, donc qu'est-ce qu'on a vu. Mais pour certains jeunes, ça va aller bien au-delà de la première session, mais en général, c'est la période ciblée. Maintenant, concernant les facteurs de risque, Michael nous a donné une bonne idée quand même là, des jeunes auxquels il faut prêter attention puis qu'il faut qu'on surveille de plus près pour s'assurer qu'ils vivent une transition harmonieuse puis qu'on les accompagne dans leur réussite. Puis je vais les reprendre parce que moi, les facteurs que je vais vous présenter ressortent plus de la littérature scientifique puis des travaux de recherche qu'on a fait. Donc, le premier facteur qui ressort souvent dans les études, ce n'est pas tout le temps, c'est celui que Michael vous a présenté en premier, c'est le rendement scolaire, avec un faible rendement scolaire. C'est important de mentionner ici qu'on ne parle pas nécessairement de jeunes en échec. On parle de jeunes en bas, qui ont une moyenne en bas de 70 et certaines études qui mettent le seuil à 75. Ces jeunes-là, il faut bien les préparer. Puis, une fois qu'ils arrivent au cégep, il faut les dépister ou s'en occuper parce que le cégep, ça peut être le niveau de difficulté qu'il y a de monde dans certains cas. D'autres, c'est le niveau d'autonomie, le niveau de motivation qui peut être plus difficile parce que les apprentissages sont vraiment plus... c'est la responsabilité le jeune est plus responsable de ses propres apprentissages. Donc, c'est des jeunes, même ceux qui ne sont pas en échec, ceux en bas de 75, c'est des jeunes... C'est ça l'idée que je veux que vous retenez. Là, c'est des jeunes qui se débrouillent quand même bien au secondaire. Ça peut être un choc rendu au cégep parmi ceux qui ont une moyenne de moins de 75. Non, l'autre facteur que Michael a bien mis en lumière, c'est les jeunes avec des troubles d'apprentissage ou de santé mentale, les jeunes EHDAA au secondaire ou en dos cégep, souvent appelés ESH. Puis, un enjeu avec ces jeunes-là, c'est la continuité des mesures d'accommodement auxquelles ils ont accès une fois rendus au cégep, la continuité des services, des mesures. Il y a certains jeunes qui, par leur choix, vont décider de ne pas aller chercher ces services-là parce qu'ils commencent une nouvelle phase de leur vie, commencent une nouvelle phase d'études, donc ils veulent recommencer avec un nouveau commencement. Puis, ils peuvent ensuite vivre des difficultés. Puis sinon, pour recevoir les services rendus une fois au cégep, je sais qu'il y a des accompagnements qui sont faits parmi les cégeps, mais règle générale, c'est qu'il faut un diagnostic. Alors que ce n'était pas le cas au secondaire, ce n'est pas le cas au primaire. Donc, il y a des jeunes qui arrivent au cégep qui veulent se prévaloir de mesures d'accommodement parce qu'ils ont l'habitude de les avoir eues tout le long de leur scolarité. Puis là, ils se font dire qu'il faut qu'il y ait un diagnostic. Fait que c'est prendre un rendez-vous, aller chercher ce diagnostic-là, ça peut être compliqué. Mais je sais qu'il y a plein de personnes des cégeps aujourd'hui qu'il y a des accommodements qui sont faits malgré tout. Puis de plus en plus, on essaye de s'arrimer avec les besoins des jeunes parce que c'est les EHDAA, les jeunes sont de plus en plus nombreux à aller au cégep, mais ils ne graduent pas au même rythme qu'ils accèdent au cégep. Donc, c'est une population qu'il faut vraiment surveiller puis soutenir dans leur transition puis à travers leurs études collégiales. Un autre facteur, c'est celui de la défavorisation socio-économique. Michael aussi l'a abordé avec les écoles. Dans les recherches, ils vont parler du niveau d'éducation des parents, du revenu familial. Puis en fait, ça, c'est des jeunes qui peuvent arriver au cégep avec des ressources moindres, des ressources financières, mais aussi des ressources sociales là, pour naviguer à travers les exigences de la scolarité postsecondaire. Quand ils sont les premiers de leur famille à aller au cégep, ils n'ont pas nécessairement le même soutien que des jeunes qui, eux, leurs parents ont passé par le cégep ou l'université. Fait que ça peut leur causer ça peut nuire à leur réussite. Puis on voit que ces jeunes-là sont plus nombreux à abandonner. Il y a aussi le genre masculin, Michael l'a mentionné. Puis enfin, l'âge d'arrivée tardif au cégep. Donc, Michael l'a mentionné aussi, lui, il parlait du moment d'inscription, il parlait aussi de l'âge. Les jeunes qui rentrent à 19 ans au lieu de 17, 18 ans sont moins nombreux à graduer. Souvent, ce n'est pas nécessairement le fait qu'ils rentrent plus tard, ce n'est pas l'âge, c'est plus que ça correspond. Les jeunes qui arrivent plus tard, bien, parce qu'ils ont accumulé un certain retard là, scolaire. Il y en a plusieurs que c'est parce que ça a repris 6 ans compléter le secondaire ou 7 ans. Il y en a d'autres qui sont allés sur le marché du travail à temps plein, puis revenir aux études, ça peut être plus difficile là, en perdant le revenu auquel ils sont habitués. Donc, ce n'est pas nécessairement l'âge, mais ce que ça cache derrière.
Maintenant, pour ce qui est des facteurs de résilience, au lieu de, c'est ça là, pour les facteurs de risque, on était dans la littérature, là, pour les facteurs de résilience, je vais vous présenter les résultats de recherche qu'on a fait avec, quand je finissais mon doctorat avec RRM, Réseau Réussite Montréal, puis ce qu'on voulait savoir, c'est parmi les jeunes qui étaient en contexte de vulnérabilité, qu'est-ce qui pouvait faire une différence? Donc, on a pris l'échantillon que j'ai utilisé dans le cadre de mon projet doctoral. C'est l'échantillon parcours de la chercheuse Véronique Dupéré, qui était ma directrice de recherche. Cet échantillon, en fait, a été créé initialement pour faire une étude sur le décrochage scolaire. Puis, on a passé en entrevue à peu près 545 jeunes dans 12 écoles différentes. Puis, on s'était comprendre c'est quoi les facteurs qui avaient pu précipiter leur décrochage, c'est quoi les circonstances qui avaient marqué leur décrochage. Cet échantillon-là de jeunes, on les a recontactés 4 ans plus tard pour mieux comprendre leurs caractéristiques, mieux comprendre les circonstances qui marquaient leur entrée à l'âge adulte. Donc, rendu à l'âge adulte, on était capable de contacter 386 jeunes. On a fait des entrevues avec eux. C'est une étude qui est super intéressante, très vaste, qui couvre plein de domaines, mais ici, on va se concentrer sur le cheminement scolaire et professionnel des jeunes. Donc, avant de présenter les facteurs de résilience, juste voir un portrait global des jeunes du projet Parcours. Puis pour rappeler, dans cet échantillon-là, il y avait à peu près 35 % de décrocheurs, un tiers des jeunes qui avaient décroché du secondaire. Si on regarde plus tard, rendu au début de l'âge adulte, voici quels étaient leur statut d'emploi ou d'éducation. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a 25 % des jeunes du projet Parcours qui ont accédé au cégep. Si vous avez vu les chiffres de Michael au début, on est plus les chiffres dans la population normale, ça se situe entre 60-65 %. Fait qu'auprès de l'échantillon parcours, à 25 %, on est bien en dessous de la moyenne, de 2 à 3 fois moins élevé. Fait que ça met en lumière tous les facteurs de risque qu'on vous a présentés précédemment dans les présentations, là, que des jeunes avec un retard scolaire, des jeunes qui proviennent des milieux défavorisés, risquent de vivre une transition difficile, mais aussi ils risquent de ne pas y aller au cégep. Fait que ça représente cette information-là. Des jeunes du projet, il y en avait qui étaient aussi inactifs au chômage, fait que 11 %. Il y en avait d'autres qui étaient encore en éducation. Ils étaient soit dans le secteur adulte ou à la formation professionnelle, mais la majorité d'entre eux, 4 ans plus tard, après le secondaire, ils travaillaient. Il y avait des différences entre les types de travail que les jeunes avaient. Il y en avait qui étaient plus positifs, plus négatifs. Moi, j'ai fait mon doctorat sur cette partie-là. Si ça vous intéresse, vous me contacterez. Mais comme aujourd'hui, on se concentre sur la transition au cégep, on va juste nommer qu'il y a une bonne partie de ces jeunes-là qui étaient au travail. Donc, pour nos 25 % de jeunes qui ont persévéré, qui ont diplômé du secondaire, qui se sont rendus au collégial, qu'est-ce qui avait pu faire une différence dans ce qu'on a observé auprès d'eux? Par quel facteur ils se distinguaient au secondaire? Qu'est-ce qui faisait une différence? On a procédé par 2 types d'analyses pour aller cibler ces facteurs-là. Premièrement, des analyses statistiques quantitatives, des analyses prédictives. Puis, une des premières différences qu'on a pu observer, c'est le fait que les jeunes qui étaient rendus au cégep, c'est des jeunes qui se voyaient aller au cégep quand ils étaient au secondaire. Donc, ils avaient mentionné que pour eux, c'est important, ils se voyaient aller au cégep pour l'université. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi pris dans ces informations-là les notes scolaires, les résultats, s'ils aimaient l'école, puis le seul facteur qui ressortait, c'était les aspirations. Fait que c'est comme si vouloir aller au cégep, avoir l'intention de le faire, c'est un moteur de persévérance qui les aidait à affronter l'adversité. Un autre facteur qui est sorti, c'est celui de la participation aux activités parascolaires au secondaire. Donc, c'est des jeunes qui faisaient partie de l'équipe de soccer, qui faisaient partie d'un groupe musical ou qui étaient impliqués à l'école dans une activité après les heures de cours. Puis ça, les mécanismes, c'est probablement que ces jeunes-là avaient développé un sentiment d'appartenance plus fort envers l'école, donc ils avaient le goût d'y rester plus longtemps au-delà du secondaire ou potentiellement l'activité, ils voulaient la faire aussi rendue au cégep. Donc, ça reste à explorer, mais ça, c'est les 2 facteurs qu'on a pu voir qui faisaient une différence. On a ensuite fait une 2e ronde d'analyse. Ça, c'est plus ma collègue Aïda Benaguida au doctorat qui travaille sur ces données-là. Mais là, elle a analysé les entrevues faites avec les jeunes. Donc, elle a analysé leur discours. Puis, elle s'est centrée sur les jeunes qui avaient décroché. Fait qu'on avait 30 % de jeunes qui avaient décroché du secondaire. Ces jeunes-là étaient particulièrement à risque de ne pas aller au cégep. Ça représentait des gros défis de retourner au cégep, de finir le secondaire puis d'aller au cégep. Puis, quand elle a analysé leur discours, elle les a différenciés avec ceux qui n'étaient pas allés au cégep, qui travaillaient ou qui étaient inactifs. Ce qu'elle a remarqué, c'est que dans l'entourage des jeunes qui avaient pu affronter l'adversité pour faire un retour à l'école, puis persévérer jusqu'au cégep, c'est que ces personnes-là avaient dans leur entourage
une personne qui, à la fois, nourrissait leur confiance en eux, parce que c'était des personnes qui étaient empathiques, qui croyaient en leur potentiel, mais qui aussi faisait comme un pivot vers les ressources appropriées pour soutenir le jeune. Donc, il y avait comme un double rôle. Fait que c'est une personne proche dans l'entourage, là, un adulte significatif qui, à la fois, encourageait le jeune à persévérer, mais qui lui donnait les outils aussi pour persévérer, pour aller chercher les ressources financières dont il avait besoin, pour aller chercher l'aide pédagogique qu'il avait potentiellement besoin. Donc, se sont révélés comme des personnes incontournables qui faisaient une grande différence dans la vie des jeunes. Puis, dans l'étude qu'on a pu observer, c'est que dans certains cas, c'était des intervenants, mais pas tout le temps non plus. Il y avait des employeurs super positifs qui aidaient les jeunes à se mettre en chômage temporairement, le temps de faire un retour aux écoles pour après les prendre à temps partiel. Il y avait aussi des personnes de la famille éloignée, mais bref, quelqu'un qui faisait une différence en donnant la confiance aux jeunes, puis les aidant à trouver les moyens de se raccrocher au système scolaire. Pour conclure, on va parler de pratiques inspirantes puis de pistes d'action pour mieux soutenir cette transition-là. Puis on va y aller par stade de transition. Et qu'est-ce qu'on peut faire au secondaire? La première pratique recommandée, ça va vous sembler bien basique, mais c'est le fait d'offrir assez tôt dans le parcours des jeunes, on parle de secondaire 4 ou avant, des informations claires, de qualité et complètes sur tous les programmes qui sont offerts au Québec. Puis aussi de donner des informations objectives puis réalistes sur c'est quoi la vie au cégep. Fait que quand on dit réaliste, c'est pas de... Il y a des jeunes qui disent que leur prof leur dit « Attends d'être au cégep, tu vois, au cégep, ça va être difficile. Ici, tu penses que c'est tough, mais tu n'as jamais rien vu au cégep. » Fait que c'est des messages qui, eux, sont anxiogènes, qui ne représentent pas vraiment la vie étudiante au cégep. Parce que oui, ça inclut des changements, oui, ça inclut des modifications dans leur mode d'étudiant, mais rendu au cégep, il y a des services qui sont offerts à eux, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Les enseignants, le personnel scolaire sont là pour les aider. Donc, leur dire que oui, ça va impliquer des changements à aller au cégep, mais qu'ils vont être en mesure d'être aidés par des intervenants des équipes cégep parce que de plus en plus, il y a toutes sortes d'aides qui sont disponibles. Ensuite de ça, une bonne pratique recommandée, c'est celle d'initier les élèves au métier d'étudiant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand les jeunes arrivent au cégep, ils sont beaucoup plus autonomes dans leur apprentissage. Leur réussite est plus sur leurs épaules que quand ils étaient au secondaire. Fait que quand on dit d'initier au métier d'étudiant, c'est d'apprendre à être un bon apprenant. Fait qu'apprendre à initier les jeunes à apprendre à faire une bonne prise de notes. Les aider à se fixer des objectifs quand ils ont des travaux à long terme, comment se faire un échéancier. Toutes ces pratiques-là, ça peut les aider une fois rendus au cégep pour pas que ce soit une surprise, puis qu'il y ait déjà des trucs dans leur tête pour quand ils vont faire leur transition au cégep. Ça aussi, c'est un classique, les visites de cégep, c'est important. Les jeunes le mentionnent, que c'est quelque chose qui les aide à se repérer après une fois qu'ils sont rendus au cégep. Puis, il y a le fait d'aller visiter le cégep, mais on peut aussi inviter le cégep dans les écoles secondaires. Donc, inviter des anciens diplômés de l'école secondaire qui sont rendus au cégep, venir faire des conférences, parler avec les étudiants de leurs expériences pour qu'ils se familiarisent avec des personnes qui sont au cégep et que ça peut leur servir de mentor une fois qu'ils sont rendus au cégep, mais aussi pour qu'il y ait une meilleure idée de à quoi s'attendre une fois qu'ils sont rendus là-bas. Puis, ils ont tendance à plus écouter les personnes qui ont presque leur âge que les personnes, ça fait longtemps qu'ils sont passées par le cégep. La santé mentale, on l'a mentionné, pendant la période de transition entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est une période forte en santé mentale. Et équiper les jeunes, les sensibiliser à ces enjeux-là, leur donner des trucs de gestion de stress, gestion d'anxiété, puis de leur faire connaître les ressources si jamais ils sont en situation de détresse, qui peuvent aller les voir. Fait que de déjà les informer, les familiariser avec les ressources qui sont disponibles, puis quoi faire en cas d'anxiété. Maintenant, pour les élèves ou pour les jeunes qui présentent plusieurs facteurs de risque, donc qui sont plus susceptibles de vivre des difficultés dans leur transition, la première règle, c'est d'aller intensifier l'accompagnement, donc d'aller plus les soutenir, faire plus de visites de cégep si on en a besoin, les aider à s'initier au métier d'étudiant, leur donner plus d'informations, les accompagner dans leur demande d'admission si jamais ils ont un refus, faire des suivis. C'est super important.
Puis l'autre chose qui est recommandée aussi, c'est de faire un plan de transition. Fait que pour les intervenants qui sont au secondaire, les jeunes qui nous inquiètent un peu plus, rédiger avec eux un plan de transition avec toutes les étapes importantes qui marquent la transition. Donc là, à telle date, il va avoir le choix, la récupération d'agenda. À l'autre date, il va avoir l'horaire. Fait qu'il va falloir que tu fasses ton choix d'horaire. Ensuite de ça, une fois rendu au cégep, pour avoir tes mesures d'accommodement, voici qui tu devrais aller consulter. Ça peut les aider parce que souvent rendus au cégep, ils n'ont plus le support qu'il y avait au secondaire, la personne qui les accompagnait. Donc, ce plan-là, ça peut être assez riche pour les aider. Puis finalement, durant l'été, là, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Là, ça dépend des intervenants, mais quand même faire des suivis, faire des rappels des étapes importantes. Il y en a qui vont être mentionnées dans le plan de transition, mais si on n'a pas, les garder de près parce que comme on l'a vu avec Michael dans sa présentation, il y a des jeunes qui sont admis, qui sont inscrits, mais qui finissent par ne pas y aller. Fait que communiquer avec eux, faire des suivis. Rendu au cégep, qu'est-ce qui est important? Ça fait un peu écho à ce que je mentionnais sur les informations claires, réalistes et objectives du cégep, mais dire aux étudiants qu'ils sont la bienvenue puis que le personnel croit en leur potentiel. S'ils sont rendus au cégep, c'est qu'ils ont tout en eux pour réussir. Puis si jamais ils éprouvent des difficultés, il y a du personnel qui sont là pour les aider. Donc, d'aller chercher cette confiance-là puis cette estime-là qui, on sait, peut être dommageable pour la réussite éducative. Diffuser de l'information de façon continue. Les cégeps, la plupart le font, c'est juste une bonne pratique à répéter. Mais ce qu'on entend du discours des jeunes, c'est que les premières journées d'accueil sont surstimulées. Il y a plein d'informations qui leur sont données. Ce n'est pas tout qui rentre. Fait que c'est important vraiment de toute l'année scolaire là, mettre à leur disposition les informations pour les services, sur les services qui sont disponibles. Parce que le jeune, au moment où il en a besoin, il faut qu'il trouve l'information vite parce que s'il ne la trouve pas, peut-être qu'il ne l'aura pas. Et favoriser le sentiment d'appartenance au cégep. On sait que les jeunes qui sont bien intégrés socialement au cégep réussissent mieux. Ils sont plus nombreux à diplômer aussi. Fait qu'aller susciter la participation à la vie étudiante, offrir des activités qui sont intéressantes pour les jeunes, promouvoir les activités parascolaires parce que c'est un jeune qui est bien intégré a plus de chances de terminer son année qu'un jeune qui est isolé puis qui ne l'est pas. Puis, ça, on l'a mentionné tout à l'heure, puis je sais que c'est des dossiers très complexes, là, mais de faciliter l'accès au personnel du cégep des dossiers des élèves au secondaire parce que dans la continuité, il y a beaucoup d'embûches puis il y a beaucoup de limites là, qui font en sorte que les intervenants n'ont pas nécessairement accès à ce qui se passait avec les jeunes auparavant, ce qui n'est pas le cas dans la transition primaire-secondaire. Donc, réfléchir à des moyens pour qu'il y ait une cohésion puis une transmission des données sur les élèves. Puis, on va terminer maintenant, parce que je crois que j'ai dépassé le temps, sur des exemples d'initiatives inspirantes qui sont observées au Québec. Il y a les programmes de père aidant que plusieurs cégeps ont mis à la disposition des étudiants. Le programme de père aidant, ça peut être sous plusieurs formes, mais en gros, c'est des étudiants plus avancés de deuxième année de cégep, troisième année de cégep, qui s'offrent pour aider les nouveaux. Puis ça peut être juste pour les aider à trouver, à se repérer dans le cégep ou ça peut être aussi si jamais les élèves éprouvent des difficultés bien de les accompagner vers la bonne ressource qui pourra les aider. Mais ça, c'est des programmes qui sont reconnus dans la recherche comme étant efficaces puis aidants pour les jeunes. Il y a aussi des projets comme des camps pédagogiques. Je sais qu'il y en a eu pendant la COVID pour rattraper les écarts, mais là, dernièrement, quand j'essaie de retrouver pour le cégep, je ne trouve pas facilement l'information. Fait qu'un bon exemple, c'est celui de l'Université de Montréal, le projet SOEUR, qui invite pendant une semaine des étudiants du secondaire à expérimenter la vie d'un étudiant universitaire. Fait qu'ils peuvent suivre des cours, ils ont des conférences. Puis ça, il y a vraiment cherché l'éclat chez les jeunes, de se projeter, ça leur permet de voir c'est quoi être un étudiant, ça leur permet de voir à quoi s'attendre, ça leur donne le goût, ça leur donne envie. Fait que de calquer ces modèles-là puis le mettre pour les cégeps, ça pourrait être intéressant. Puis, c'est ça, en ce moment, il y a différentes initiatives, je l'ai mentionné au début, qu'on soutient, qui sont en train d'implanter des ressources de transition post-secondaire. Puis, il y a notamment celle de Passeport pour ma réussite, que vous connaissez probablement, qui est un programme de persévérance scolaire au secondaire. Puis là, qui ont décidé de rallonger leur support puis leur soutien aux jeunes, donc qui les accompagnent lors de leur première année au cégep ou à la formation professionnelle, donc de poursuivre le suivi auprès d'eux. Puis, on est en train d'évaluer comment ça fonctionne, puis de s'en inspirer pour aller ensuite dégager les meilleures pratiques de soutien de la transition post-secondaire. Je vous remercie. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci.
Merci beaucoup, Eliane, de ta présentation qui nous a entre autres permis là, de comprendre les facteurs essentiels pour favoriser une transition harmonieuse. Ça nous donne deux présentations avec Eliane et Michael qui sont riches pour mieux comprendre les caractéristiques de la transition, mais aussi les enjeux, puis surtout, et ce que je trouve très intéressant, des pistes d'action pour agir sur la transition postsecondaire. Je pense que c'est intéressant à la fois pour les acteurs qui sont du milieu scolaire, collégial, mais aussi des acteurs qui agissent dans le domaine du développement social, que ce soit du milieu communautaire, que ce soit du milieu de la santé et plus encore. On va maintenant inviter nos deux experts à se joindre à nous. Je vois que vos caméras sont déjà ouvertes pour un bref panel. Il nous reste peut-être un peu moins qu'une dizaine de minutes pour le panel. Et ensuite, on va tomber dans une brève, peut-être 12 minutes de questions-réponses. Donc, on a déjà des questions qui ont commencé à rentrer. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, que vous avez encore envie de déposer en vue de cette période de réponse-là, je vous invite à aller dans le QR dans le bas de votre écran pour poser votre question. Oui, donc il a été beaucoup question, Michael et Eliane, des populations plus vulnérables dans vos présentations. Puis, est-ce qu'on sait si leur transition s'améliore avec le temps? Bien, je commencerai peut-être en disant que le suivi du parcours de transition, c'est inédit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait habituellement. On est en train de mettre en place des mécanismes pour essayer de rendre ça pérenne et de le faire. Ce qu'on sait, c'est ce qui se passe au secondaire, puis on sait bien ce qui se passe au cégep, mais entre les deux, il y a un trou de service. Dans ces publications, le ministère de l'Éducation publie année après année les taux de diplomation au secondaire après 7 ans. C'est vraiment l'indicateur fort. Puis il va les décliner aussi par sous-population plus vulnérable. Donc nos élèves EHDRA, nos élèves avec retard scolaire, ceux provenant de milieux défavorisés, ceux provenant de l'immigration récente ou de deuxième génération. Et ce qu'on a observé au cours des 10-15 dernières années, c'est qu'il y a eu des gains très importants en termes de diplomation au secondaire. Donc ces jeunes-là qui ne diplômaient pas avant, ils sont beaucoup plus nombreux à diplômer aujourd'hui, décroche beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins de décrochage scolaire. Et en fait, les gains qu'on a observés dans ces sous-populations-là sont beaucoup plus grands que les gains qu'on a observés dans les autres sous-populations étudiantes. Parce qu'il y a eu des gains partout, le taux de diplomation a augmenté de façon importante, ce qui fait que l'accès aux études collégiales a augmenté de façon importante aussi sur la même période. Mais essentiellement, on sait qu'ils sont plus nombreux qu'avant à diplômer, probablement plus nombreux à entrer, mais en fait, sur la transition, bien, il nous manque des bouts, il y a des choses qu'on sait moins. C'est pour ça aussi qu'on se propose de poursuivre le projet en faisant un suivi de 5 cohortes pour mieux voir qu'est-ce qui se passe avec la transition des populations vulnérables. Moi, j'ajouterais à ces informations-là que je pense en termes d'accès, donc c'est pas la transition, mais le fait de pouvoir aller au cégep, les populations à risque sont de plus en plus nombreuses à l'intégrer, puis à être admises, puis à s'inscrire. Juste pour la population des EHDAA, là, entre 2007 et 2017, ils sont 15 fois plus nombreux. Ils étaient 15 fois plus nombreux en 2017 qu'en 2016 à faire partie des cégeps. Ils sont passés de comme 1 500 à 20 000 en 10 ans, puis c'est en constante augmentation. Puis ça, c'est une super nouvelle. Les cégeps s'adaptent à cette nouvelle réalité-là qui amène certains défis, mais il reste du travail à faire sur la diplomation parce que malgré plus grande inscription, une plus grande adhésion, ces sous-groupes-là vulnérables, donc EHDAA, jeunes avec une moyenne inférieure au secondaire, jeunes des milieux défavorisés, gradue moins que les autres avec un profil plus favorable. Donc, l'accès a été amélioré, la transition aussi au complet, je suis certaine qu'elle s'est améliorée, mais il y a encore du travail à faire pour les retenir puis les faire diplômer. Eliane, Michael, la pandémie a exacerbé des facteurs de risque et elle a aussi mis à mal des facteurs de protection pour de nombreux jeunes. Est-ce qu'on sait si il y a une grande influence sur la transition secondaire collégiale de la pandémie? Oui, je peux peut-être y aller avec ce qu'on sait, puis ce qu'on ne sait pas aussi. Pendant la pandémie, on s'est concentré sur les savoirs essentiels,
On a retiré pendant 2 ans les examens du ministère. Ceux qui étaient en voie de réussite, on leur a donné leur diplôme d'entrée de jeu. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a accéléré un petit peu la diplomation de certains jeunes. Le taux de diplomation après 5 ans, donc après la durée prévue, lui a été augmenté. Par contre, si on attend 2 ans de plus, donc après 7 ans, ça n'a pas eu d'effet particulier sur le taux de diplomation. Il est resté stable par rapport aux années précédentes. C'est peut-être une bonne nouvelle en soi parce qu'il aurait pu baisser. On semble voir que le taux de décrochage scolaire, donc la sortie sans diplôme, est en augmentation. Donc, il y a des enjeux nécessairement de ce côté-là. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a plus de jeunes peut-être qui ont vécu une transition, des jeunes qui, en temps normal, auraient été dans des situations sur la ligne qui ont eu accès aux études collégiales. Donc là, ce qu'on peut se demander, c'est quels effets sur les études collégiales. Et le SRAM, a fait une analyse intéressante pour dire qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes qui arrivaient du secondaire pendant la pandémie. Et essentiellement, ce qu'ils ont observé, c'est que la proportion de cours réussis est demeurée aussi bonne qu'ailleurs, même qu'elle a augmenté un petit peu. Mais si on regarde le nombre moyen de cours réussis, lui est en baisse parce qu'il y a eu beaucoup d'incomplets. Donc, comme les étudiants avaient la possibilité de se mettre incomplet COVID, donc les in-COVID pour ceux qui connaissent, il y a eu beaucoup, en moyenne, un cours par étudiant qui a été déclaré incomplet COVID et qui doit être repris, ce que ça a fait en sorte que des étudiants qui auraient peut-être abandonné plus rapidement sont restés accrochés plus longtemps. Donc, les taux de persévérance ont semblé à la hausse un petit peu, mais si on allonge un petit peu le suivi, le parcours, les taux de persévérance reviennent à des normales. Donc, c'est comme si les jeunes sont restés accrochés au cégep un peu plus longtemps parce qu'ils n'étaient pas en situation d'échec, ils étaient en situation d'incomplet, mais avec un peu plus de recul, donc une session de plus, 2 sessions de plus, on revient à des taux comparables à ce qu'on voyait avant la pandémie et avec des jeunes qui ont beaucoup de cours à reprendre. Donc, globalement, c'est quand même préoccupant, mais sur l'ensemble de la transition, il y a encore des bouts qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, et le projet se propose de répondre à ces questions-là. Je rajouterais encore mon angle psychosocial. Puis, en parlant d'une part des observations qui ont été faites par les enseignants du cégep, quand ils ont accueilli les jeunes des cohortes 2020-2021 qui constataient des lacunes importantes là, chez eux, des apprentissages qui n'avaient pas été faits. Je parle du témoignage de certains enseignants, mais ils voyaient aussi des problèmes au niveau de la motivation, plus d'absentéisme que ce à quoi ils étaient habitués. J'ai entendu aussi des enseignants dire que les jeunes, pendant la pandémie, avaient pris l'habitude de faire autre chose en même temps, pendant qu'ils écoutaient, le prof faisait autre chose, parce que là, c'est en virtuel, fait qu'il y avait l'opportunité, puis que ça s'observait maintenant dans les classes de jeunes qui sont dans un cours, mais qui font des devoirs d'un autre cours, fait que ça, c'est ce que j'ai pu comprendre là, de certains témoignages. Puis, je ne sais pas si vous avez vu récemment un article de la presse aussi qui disait que les profs ont observé que les écarts sont de plus en plus importants. Donc, ceux qui sont en difficulté sont encore plus en difficulté. On observe des échecs en plus grand nombre. Puis ceux qui réussissaient bien, mais réussissent encore vraiment bien. Fait qu'il parlait d'écart type de l'ordre de 20, là, fait que des grosses différences dans les classes. Maintenant, du point de vue des étudiants, comment ça a été vécu cette période-là? Il y a les travaux de Simon Larose, qui est l'expert sur les transitions postsecondaires là, au Québec. Puis, lui a rapporté dans sa dernière étude sur la pandémie qu'il y a plusieurs jeunes qui étaient au cégep, qui trouvaient que la charge de travail avait augmenté durant la pandémie, mais que le support était moindre. Donc, il y avait ça, c'est les impressions des étudiants, mais qu'on leur a demandé beaucoup en étant moins soutenus par leur milieu pour le faire. Donc, c'est une notion que ça a été vécu difficilement. Puis, il y a aussi la Fédération étudiante collégiale qui a fait une enquête qui montrait des taux de détresse psychologique augmentés durant la pandémie, là, comme vous êtes probablement au courant. Là. Fait que ça a été vécu difficilement quand même chez les jeunes. Puis, le Michael, comme tu dis, on est en phase de rattrapage. Pour ceux qui ont eu beaucoup d'incomplets, est-ce qu'ils vont réussir à rattraper le retard? C'est qu'est-ce que le projet trajectoire va permettre de faire.
Eh bien, merci pour ce moment d'échange. On va maintenant passer à la période de questions. Si vous avez encore des questions, il y a toujours le temps de les ajouter dans la section Q et R. Dans le bas de votre écran, vous aurez compris qu'on va avoir une période d'environ une quinzaine de minutes tout au plus. Donc, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va quand même s'en inspirer de quelques-unes. Donc, Liliane, je ne sais pas si vous avez quelques questions déjà. Oui, donc la première, puis tu sais, Michael, Eliane, sentez-vous à l'aise d'y répondre. Quel peut être, on a vu qu'il y a un groupe donc, qui fait le choix de ne pas aller au cégep. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles un jeune fait une demande d'admission au cégep et est admis, mais décide finalement de ne pas s'inscrire? Ben, d'un point de vue strictement statistique, d'un point de vue de possibilité de suivi, on travaille avec les Cégeps de Montréal, les commissions scolaires, les centres de services de Montréal, le SRAM. Donc, c'est certain que si le jeune a fait en parallèle une demande d'admission dans un autre Cégep du Québec, à Dawson, ou encore s'il a fait une demande au privé ou à la formation professionnelle, c'est possible qu'il ait fait plusieurs choix dans le but de finalement s'ouvrir des portes, puis le choix qu'il fait finalement, c'est pas d'aller vers le cégep. Donc ça peut être une des avenues. Une autre avenue qui est très probable aussi présentement, c'est l'attrait du marché du travail. Donc entre le moment où est-ce qu'on fait la demande d'admission et le début de la session suivante, présentement, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Les salaires sont quand même intéressants pour des jeunes avec moins diplômés. À court terme, c'est très intéressant. À long terme, c'est la catastrophe. Mais quand même, puis justement, si on n'a pas cette qualification-là, ça va nous rattraper au moment où est-ce que l'employeur a plus besoin de nous, au moment où la situation sera plus stabilisée. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie à long terme, mais le jeune, lui, va prendre la meilleure décision en fonction de son analyse à ce moment-là, puis il va considérer que c'est un choix valable. Donc, ça, c'est deux, pour moi, deux éléments potentiellement explicatifs importants. Mais on s'intéresse aussi à comprendre cet aspect-là. Donc, dans les suites du projet, oui, il y a la portion tableau de bord, mais il y a aussi l'idée de poursuivre la réflexion et poursuivre des projets de recherche plus ponctuels pour comprendre des trous dans l'ensemble de la compréhension de cette trajectoire-là, parce que c'est vaste, la trajectoire, la transition, c'est très large. Il y a beaucoup de situations particulières. Puis cet élément-là particulier, ben nous, on aimerait mieux le comprendre. Moi aussi, j'aurais parlé du marché de l'emploi, là, fait que je ne vais pas répéter ce que Michael a dit, mais il y a aussi le fait qu'il y a certains jeunes qui ne vont pas au cégep parce qu'ils n'ont pas vu leur courriel. Mais ça semble bête, là, mais on en parle beaucoup pour des raisons administratives, qui sont l'adresse courriel qu'ils utilisaient, c'est celle de l'école secondaire. Ils ne sont pas à l'école secondaire, ils n'ont plus accès. Puis ils sont comme déconnectés, s'ils travaillent à temps plein, puis ils manquent finalement les étapes importantes, puis à ce moment-là, bien, ils décident de ne pas y aller. Fait qu'il y a aussi ces patrons-là qu'on va essayer de comprendre là, avec le projet Trajectoire, mais il y a une diversité de raisons, c'est difficile de cibler lesquelles différents qu'il faut comprendre, mais il faut dire que c'est probablement des jeunes qui n'étaient pas si motivés d'aller au cégep ou que c'était pas nécessairement leur plan numéro un ils sont pas allés non plus. Fait que probablement que nos jeunes à risque là, qui présentent des facteurs de risque qu'on a mentionnés sont probablement plus nombreux à avoir fait des demandes d'admission, être inscrits, mais pas à être allés. C'est pour ça que quand je disais les suivis téléphoniques, ça peut faire une différence. Là, c'est encore 7-8 minutes au moins pour la période de questions. Liliane, est-ce qu'on a une autre question pour nos panélistes? Oui, donc, Michael, il y a eu plein de questions du point de vue de la méthodologie. Par exemple, une des questions, c'est par rapport à l'indicateur du troisième session, de la réussite de la troisième session. Est-ce qu'on a pu analyser les réorientations, le changement de programme, etc., qui peut aussi intervenir dans la transition? Oui, ben, c'est certain que dans les suivis potentiels, donc une fois la première session terminée, on est capable de savoir ceux qui se réinscrivent, on est capable de savoir ceux qui se réinscrivent dans un autre programme, etc. Nous, on a fait le choix d'aller voir est-ce qu'ils se réinscrivent, oui ou non, mais vers quel autre programme ils se réinscrivent potentiellement. C'est que moi, ce que je vous proposais tout à l'heure comme indicateur, c'est la proportion de ceux qui se réinscrivent, peu importe
que ce soit dans le même programme que celui initial ou que ce soit dans un autre programme. On dit on est en continuité, on poursuit les études secondaires. Mais donc là, ici, on n'est pas dans un projet de recherche pour comprendre l'ensemble de tous les phénomènes. On est plus dans une optique d'illustrer les trous, d'illustrer les enjeux qui se présentent pour favoriser la transition du plus grand nombre, favoriser la transition des plus vulnérables. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce projet actuel, donc le tableau de bord, mais de façon plus générale, dans le grand projet des trajectoires, bien, on s'intéresse à la transition et on s'intéresse à mieux comprendre ce type d'enjeu-là. Donc, la recherche pourrait venir nous aider, mais la diffusion d'informations périodiques peut nous aider aussi à prendre des décisions éclairées, de cibler des projets porteurs et de travailler en complémentarité entre les deux ordres d'enseignement aussi. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de dire, bien, il y a des choses qui se préparent en amont, puis Liliane l'a bien montré avec ses différentes phases, il y a des choses qui se préparent, puis il y a des choses qui se vivent rendues sur place aussi. Comment on fait pour bien arrimer l'ensemble de ce processus-là? Donc, en allant jusqu'à, bien sûr, la réinscription puis la persévérance. Parce que on en accueille davantage vers la transition. Si on pourrait échouer rapidement au-delà, on n'a pas nécessairement atteint notre objectif. Puis j'en profiterai même pour répondre à une question que j'ai vue dans la discussion. Quand j'ai dit que ceux qui échouent à leur première session, ils ont deux fois et demi plus de chances de ne pas terminer leurs études. Donc, si vous voulez, c'est une étude de Duchamp et Lafleur en 2013 qui dit que ceux qui ont échoué au moins un cours à leur première session ont 36 % de chances d'obtenir leur diplôme 2 ans après la durée prévue. Ceux qui ont réussi tous leurs cours ont 83 % des chances, donc deux fois et demi plus de chances. C'est-à-dire que la réussite dès le début du cégep, c'est déterminant. Eliane, est-ce que tu voulais intervenir? Non? Donc, c'est ça. Donc, aussi, une autre question vient par rapport au fait que, c'est ça, on a analysé toutes les écoles publiques principalement. Puis, est-ce qu'un jeune peut avoir plusieurs facteurs de risque? Est-ce qu'on les a... nommer ou combien le nombre d'étudiants d'élèves, donc ouais. Garçons, plan d'intervention, milieu défavorisé. Ouais. Pour l'instant, on a regardé chacun des facteurs pris séparément. D'autres recherches nous montrent que le cumul de facteurs de risque sont vraiment importants, puis on se doute que ceux qui ont une moyenne générale faible et sont souvent les mêmes qui peuvent avoir un plan d'intervention ou qui sont en situation de handicap. Donc, c'est certain qu'il y a comorbidité, plus dans les maladies. Corrélationnalité. Ouais. Il y a un terme statistique quand c'est des facteurs qui se recoupent, mais en effet, dans le tableau de Michael, on voit, tu sais, jeune avec un plan d'intervention, jeune EHDAA, jeune avec un retard scolaire, c'est probablement les mêmes, sensiblement les mêmes, c'est la même catégorie de jeunes. Là. Fait que, puis il y a des études en effet qui ont étudié l'effet cumulatif. Puis c'est ça s'additionne, puis ça peut même avoir un effet exponentiel. Fait que, faut considérer l'ensemble des facteurs. Puis jusqu'à maintenant, on parlait des facteurs scolaires là, surtout, mais s'il se passe quelque chose dans la vie du jeune, ça peut aussi prendre toute la place puis nuire à son projet d'études. Fait que, c'est, puis comme on l'a vu, la transition secondaire collégial entre dans l'ère de l'entrée à l'âge adulte, fait qu'il y a des jeunes qui doivent sont confrontés à des problèmes avec leur famille, qui sont pris avec des problèmes financiers. Fait que tout ça, là, au-delà des facteurs scolaires, il faut aussi passer aux facteurs à l'extérieur qui influencent les décisions des jeunes. Puis quand on parle, mais quand je parle avec les milieux qu'on accompagne dans leurs ressources post-secondaires, ils disent que souvent les jeunes, ce dont ils parlent, qui les bloquent dans leur projet, c'est des facteurs personnels, puisque c'est ce qui se passe dans leur vie. Fait qu'il faut toujours garder en tête cette réalité-là qui se cache derrière le portrait scolaire. Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce qu'Eliane disait. Nous, on fait beaucoup d'études justement sur les parcours au secondaire et au cégep. Et dans les éléments qui sont souvent révélés, effectivement, les enjeux scolaires, c'est un élément important, mais des enjeux de vie, des fois ponctuels, une séparation, qui vont venir influencer de façon importante. Au cégep, on a l'insécurité alimentaire, les enjeux financiers qui vont s'ajouter aussi peut-être à d'autres réalités.
C'est tous des éléments qui peuvent aussi être très présents pendant la transition, puis jouer sur la transition. Donc, il faut pas regarder que du côté scolaire. Je pense que c'est important aussi de le soulever. Il faut regarder dans l'ensemble des besoins d'un jeune pour assurer qu'il soit en mesure de faire une transition puis de poursuivre ses études de façon optimale. On aurait le temps pour une dernière question relativement rapide, Liliane, si on en a une autre sous la main. Je ne sais pas si la réponse va être rapide, mais il y a quand même par rapport au, je pense, tout la transition postsecondaire, si vous aviez peut-être des recommandations ou des suggestions à faire, s'il y a des gens qui nous entendent et qui désirent créer vraiment des milieux d'échange inter-ordre, ça serait quoi? Quelques conseils. De créer des occasions de se parler. Quand on a organisé notre événement du 3 novembre dernier, les écoles secondaires et les cégeps disaient « on n'a jamais d'occasion de se parler ». Souvent, les écoles secondaires disent « je suis passé par le cégep, mais des fois, ça fait longtemps, ça a changé, je ne sais plus exactement comment bien guider moi-même qui… » On fait le parcours, mais c'est plus loin un peu. Même chose pour les profs du cégep. Disent, mais il y a eu des réformes, il y a des choses qui ont changé au secondaire. Je ne sais pas exactement. Ils ont-tu encore, on entend qu'il n'y a plus les cours d'orientation choix de carrière, mais comment ça se vit vraiment? Il y a comme une méconnaissance. Donc, je pense que premier élément, c'est de trouver des mécanismes, de trouver des occasions d'échanger, puis de dire « OK, c'est ça, c'est bon ». Puis justement, Eliane l'a bien mentionné, mais de ne pas utiliser l'idée de dire « Ah, il y a une transition, puis au cégep, ça va être vraiment plus dur pour essayer de garder le contrôle sur sa classe en secondaire 5 », mais plutôt de les préparer de façon bienveillante en disant « Ça va être différent, mais les profs sont là ». Puis des fois, au secondaire, ils disent « Ah oui, on ne pensait pas que les profs de cégep offraient autant de services, on ne savait pas qu'il y avait plein de services autour des jeunes de cette nature-là ». Donc, il y a une méconnaissance, je pense, d'un côté comme de l'autre. Il y a des profs qui sont passés de là. Là, ça fait moins longtemps, mais il y en a qui sont là depuis plus longtemps aussi. Ça a changé les cégeps, ça a changé les écoles secondaires. Bien, il faut rester connecté. Je serai brève après l'intervention de Michael. J'aborde dans son sens des occasions d'armer les contenus, de se parler. C'est toujours une bonne idée. Mais sinon, moi, surtout pour les agents, les intervenants au secondaire, pensez à la continuité. Pensez au fait que les jeunes, durant l'été, ils n'auront plus accès à tout ce qu'il y avait comme service au secondaire, à leurs intervenants qu'ils connaissaient, puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une continuité aux jeunes. Puis là, c'est sûr que je pense aux communautaires qui, eux, sont des agents qui peuvent faire l'ensemble de la transition qu'on a vue, qui peuvent participer à l'ensemble des étapes, puis qui peut être un fort à travers ce moment de transition-là, ce choc-là. Donc, de réfléchir puis d'intégrer ces ressources-là qui sont vraiment précieuses. Puis, nous, en ce moment, c'est des ressources communautaires qu'on soutient puis qui se font la différence dans la vie des jeunes parce que c'est ça, ils peuvent les suivre du début à la fin de leur transition. Puis, c'est ça. Quand on parle, c'est sûr que les jeunes peuvent aller chercher les services au cégep, puis il y en a plein qui sont offerts, mais il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à aller les trouver ou qui ne les connaissent pas. Puis d'avoir quelqu'un qui les connaissait du secondaire, qui les aide à les accompagner, en qui ils ont confiance, ça peut faire une grande différence. Très bien, merci. C'est malheureusement tout le temps là, qu'on avait pour le webinaire, pour les questions. Sachez que les travaux du comité trajectoire dont je faisais mention en début de webinaire là, se poursuivent. Donc, les questions auxquelles on n'a pas eu la chance de répondre aujourd'hui, moi et Liliane qui sommes en soutien à ce comité-là, on va les prendre en considération dans la mesure du possible dans nos travaux, dans nos réflexions pour la suite, pour alimenter notre travail de co-coordination de ce comité-là régional. Liliane, il nous reste 2 minutes environ pour conclure. Là. J'aimerais t'entendre sur les présentations et les discussions qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Oui, en tout cas, moi, je vous vois pas, là, les personnes qui sont présentes, mais on sent vraiment une mobilisation par rapport à la transition secondaire collégiale. Vraiment, j'ai envie de nouveau montrer l'importance. Les présentations ont montré l'importance de bien accompagner les jeunes dans cette transition. Tu lui as dit, Michael, de les accompagner de façon bienveillante. Le fait que la journée du 3 novembre
a mobilisé beaucoup, beaucoup de leaders dans le monde secondaire et collégial. Et le nombre de la présence aujourd'hui, puis des gens qui se sont inscrits, montre aussi que c'est un sujet important. C'est sûr que c'est très vaste, vous l'avez montré, mais votre trajectoire va permettre aussi de vraiment continuer à creuser des aspects de cette transition, que ce soit en appuyant des communautés de pratique, par exemple, que ce soit en faisant des recherches par rapport aux perspectives des jeunes de secondaire, de cinquième secondaire, ou encore en ayant des réflexions par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, tout ça, c'est motivant, c'est vraiment énergisant même. Et en fait, c'est ça les ponts à Montréal, Interordre, sont là, sont solides. Ça nous permet aussi d'avoir une vision claire par rapport à la suite des choses. Donc, vraiment, c'est ça, là. Donc, je pense que juste asseoir des gens, vous l'avez dit, Eliane et Michael, juste asseoir les gens ensemble, c'est gagnant, mieux se connaître pour, tu sais, plus se parler, mieux se connaître, ça nous permet de vraiment accompagner les jeunes de manière plus adéquate encore plus. Donc, voilà. Super, merci Liliane. Très inspirant comme webinaire et comme mot de la fin. Je vous rappelle que la rediffusion du webinaire et les présentations d'aujourd'hui seront mises en ligne sur le site Internet de Réseau Réussite Montréal et que le tout vous sera également envoyé par courriel pour les gens qui étaient inscrits. C'est possible de retrouver nos coordonnées à moi et à Liliane si vous avez des questions. Sur nos sites Internet respectifs, d'abord, en ce qui me concerne, de Réseau Réussite Montréal, pour Liliane sur le site Internet du regroupement des cégeps de Montréal. Je souhaite terminer en remerciant les membres du comité Trajectoire pour leur implication. Je remercie également mes collègues à Réseau Réussite Montréal pour l'organisation du webinaire aujourd'hui. Finalement, je remercie Michael et Eliane d'avoir accepté notre invitation. La présentation était très intéressante et riche en informations aujourd'hui. Et finalement, je remercie toutes les personnes qui ont assisté au webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée.